force. Et on n'y est pas encore. Nous allons faire le Mont Chaberton. On a un petit compagnon de route. Je vous présente Jean-Claude, Jean-Claude Le Papillon. Ça fait un petit moment que je trimballe. Et sur mon smartphone, il est bien, il n'a pas envie de bouger. On va le garder. Hein. Alors nous, on part déjà avec un gros handicap. Le premier, c'est que mon sac fait 28,7 kg. Et celui de Max fait presque 19 kg. Bon, bien, on n'a plus qu'à 5,6 km, soit comme ils disent 3h10 de marche. Je pense que pour nous, ça va être beaucoup plus que 3h. Non. On s'est arrêté pour faire une petite pause et là, on attend Tony qui est en train de ranger sa chambre. Donc si j'ai pas de conneries, nous on doit aller là derrière. 2245 mètres d'altitude. On est mort. On est mort, là ça commence à grimper dur. Le poids du sac là franchement il commence à se faire sentir. Max lui a la rotule qui lâche. Bon Dieu merci, pour l'instant les rotules ça va. Par contre c'est les mollets là, ils commencent à chauffer durement là, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Bon les amis, on va faire quelque chose là. On s'est arrêté. Et on va se délester de quelques bouteilles d'eau. On va en laisser quelques-unes là sous l'arbre. On les récupérera au retour sur la descente. Non Max, Max. Où tu vas? Il y a le Marc. Le Marc sur le pierre. Le Marc là, sur le pierre, le chemin. Ici. No. Ici là. Be careful. Ici. Let's go. De là, please. Ouf. Oh, cette souffrance. Ouh. Bon les amis, c'est la énième pause. Je les ai plus comptés, j'ai arrêté de compter à la dixième. On a H-cut là. Il est, j'ai rien pu dire l'heure. Il est 15h26. On est parti en bas, quelle heure? 11h30, midi? 11h? C'est pire. On est parti à 11h. Il est 15h26, ça fait 4h, donc 86 qu'on marche. On est en train de mourir, putain de merde. Ah, et j'ai pas envie d'entrer, je vais y aller. On va aller jusqu'au bout. Je suis venu pour faire le Mont Chaberton, je ferai le Mont Chaberton. 16h24. On approche du col du Chaberton. Et là, on n'a pas de balance pour l'appui. J'ai l'impression que mes jambes saignent de l'intérieur. Le fort est là-haut. Donc là, on a, si j'ai pas de bêtises, la voie militaire. C'est un raccourci, mais c'est raide. Sinon, dans la voie classique, c'est un peu plus long, mais c'est moins pentu. Mais je pense qu'on va prendre la voie classique. Il vient de se passer quelque chose hors caméra. C'est que j'ai fait. Je pense que j'ai fait un malaise, je sais pas. J'ai un vertige. Je me suis vautré par terre comme une merde. Et j'ai Max et Tony qui sont venus me porter secours. Je suis resté un petit moment par terre histoire de reprendre les esprits. J'ai mis un peu d'eau. Et là, ça va mieux. Ça va mieux. Puis j'ai la niaque qui me revient. On va monter. On y est presque, on va le faire. Voilà. Eh bien les amis, on vient d'arriver. Voici devant le fort du Mont Chaberton, enfin du moins devant la tourelle.
s'il n'y avait pas grand chose là. Je pense qu'on les verra mieux demain en plein jour. Donc on a Max qui est en train de monter le camp. Et moi je pense que je vais aller plonger direct les amis, parce que là je suis mort. Franchement, s'ils n'avaient pas été là, je pense qu'avec mon sac là j'aurais pas pu monter. 30 kilos c'est tendu vraiment, là je regrette, hein. Sérieux, c'est une belle connerie, mais voilà, heureusement qu'ils étaient là. Sur les derniers kilomètres, Max a échangé son sac avec le mien pour que je puisse grimper dignement. Et là je suis vidé, j'ai plus rien. Là, je pense qu'on va aller, casser la croûte, bien qu'on ait déjà cassé la croûte tout à l'heure, mais là je vous avoue, je suis affamé, j'en peux plus. Je suis gelé, donc on va aller se réchauffer. On vient de se réveiller, désolé pour hier soir, il y a dû y avoir une coupure brève, mais j'étais mort. J'ai mangé et franchement je suis allé me coucher, j'ai pioncé, mais j'ai jamais pioncé comme ça. Là j'ai un mal de tronche, je peux pas vous dire, je suis éclaté complet, mais je suis quand même heureux, je vais vous montrer ça. Regardez-moi ce paysage magnifique. Franchement, je regrette pas. Je regrette mon sac assez lourd, mais regardez-moi ça. On y est, le fort du Mont Chaberton. On l'a fait, un rêve qui s'est concrétisé. Ça faisait plus de 2 ans que Tony et moi j'avais ce projet en tête. Il nous manquait les tripes, puis le bon moment. Ça s'est produit, on l'a fait les amis, on l'a fait, on y est. Eh bien les amis, on va attaquer l'exploration du fort Le Chaberton. Allez, c'est parti, on y va. Là on est sur la partie supérieure, le niveau 0 du fort. C'est complètement défoncé, hein. Faites gaffe où vous mettez les pieds par contre.
ça doit correspondre aux couleurs qui est de l'autre côté, je pense. On va le voir. C'est mettre des réservoirs là. Des fibres ciment. Voilà, c'est en train de se ravager contre là. Par la glace là. Sur la sortie on passe à l'étage, on va rentrer là directement. Je crois qu'il y a du monde là qui commence à arriver. Donc voilà, là c'est la pièce le... Ah tiens, il y a une inscription là. C'est plus très très visible, mais le trou par lequel j'ai passé le câble il y a 2 minutes. Fred, viens. L'escalier. Ah bon, on est directement ici. Il a fondu l'escalier. Ah bah ouais. Écoutez, on va s'y aventurer. Hein. Ce fameux escalier là. Ouais, ça bouge bien. C'est de la glace là, faites gaffe. De la glace ou de la flotte? Je pense que c'est de la glace. Ouais, ça tient. Mission sortie. On va aller voir après. Ah, voilà. Alors on va faire gaffe. Là c'est hyper dangereux. Ah oui, je sais pas si vous voyez l'épaisseur là, on va à travers la glace. Il y a bien 30 cm de glace. Changer de lampe. Ah, c'est vachement profond. Bah, mais c'est la glace aussi en bas. Vous ne voulez pas tomber là-bas, parce que là, à mon avis, tu remontes pas quoi. Je pensais, comme ça accroche là un peu au début, je pensais me retenir pour vous filmer en bas, mais non, on va pas y aller. Là, je pense que si je tombe là-bas, j'en remonte pas, quoi. C'est que la glace. Bon, allez. On va voir cette sortie, là, à côté. Testez quand même la glace, hein, que n'oubliez pas en haut. Si jamais ça tient ou pas. Ah oui, on est dans le petit bloc qu'on voyait par dessus. D'accord. Alors on se demande où était l'entrée. Bon, bien, on vient de la trouver. Alors, je sais pas ce que c'était ce bâtiment, à quoi ça servait. Là-bas, on a posé la tente et on se demandait par où était l'entrée, puisque quand on voit là niveau passage, c'est assez étroit. Je pense pas que ce soit un passage de service. Je pense qu'il devait y avoir un téléphérique ici. Il y en avait un de l'autre côté, alors je sais pas s'il y en avait un ici, mais on voit qu'il y a des ancrages là. Je
plus bas en haut des casernes, enfin du restant de caserne. Ici. On sait qui sont. Faites gaffe, c'est une patinoire ici. Hein. Petit poste électrique. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est ce qui servait à monter les munitions. Les munitions étaient stockées en bas. Les munitions étaient ensuite distribuées autour. Là, le froid commence à se faire sentir. Là, on a un groupe électrogène à la moteur, parce qu'il reste des moteurs. Je vois qu'il y en a d'autres qui ont été enlevés apparemment. Bête bâton quand même. J'essaie de faire attention, je mets les pieds là parce que... Ça c'est quel loup là? Effectivement c'est que l'eau. Je viens de foutre le pied dans la flotte là. Alors en bas, on dirait un accès, il y a un escalier au fond. On dirait un accès à une des tourelles, hein, si je me trompe. Ouf, alors. Bon, bah, écoutez. Exploration oblige, hein. On fout les pieds dans la flotte. En tout cas, j'ai bien fait de prendre le casque. Parce que là, j'en ai tapé deux ou trois fois la tronche, là, ça... Ça fait plaisir d'avoir un casque quand même. C'est les accès autour là-bas. Hein. Ouais. On va s'en faire après. Sur le retour, on va faire une ou deux tours. C'est quoi ton nom? C'est mon téléphone. Je me demande ce que c'était. Là, c'est défoncé là.
D'accord. Alors si j'ai pas de conneries, c'est l'accès au téléphérique. Une grande porte comme ça, avec rien là. Donc il se faisait ravitailler par le bas, au moyen de ce téléphérique. Il y a des lits là. Bon, un petit cul de glace. Donc là, je crois qu'on est au pied d'une des tours. C'est ça, exactement. Donc, il n'y a plus d'escalier. Y accéder par dehors, ouais. Ouais, par l'extérieur, on ira la faire après. Et là, il y a quoi à côté? Alors, pareil, c'est le dessus de la tour. Bon, du coup, bien, on se retrouve dans le couloir qui est au début à l'étage supérieur. Donc chaque pièce, je crois que ça donne accès au-dessus de la tourelle pour pouvoir les ravitailler en munitions, récupérer les douilles usagées. Et ça c'est le fameux coffre qu'on a pu voir dans de nombreuses vidéos, dont celle de Mamitwink et de Dragonius. Je suis fan bien sûr. Donc là, on vient, c'est le couloir qu'on a emporté. Là, on l'a pas fait. Ah, je pensais. On va les voir. Du liège. Énormément de débris de ferraille dedans. Ah oui, non, effectivement, on l'a pas vu. On voit qu'il y a d'autres coffres. On l'a pas emprunté celui-ci. Ouf. Oh la neige. Oh là. Ouf, c'est de la flotte. Oh oui. Ah bah on est au pied du tourelle. C'est la tourelle qui est complètement défoncée. On la verra après quand je vous filmerai l'extérieur. Et là oui, là c'est le couloir principal de l'étage. Il y a autre chose là sur le côté. Non, c'est toujours le pied de la tourelle.
ce tunnel. On l'a fait là-bas au début, on l'a pas fait par ici. Il y a une galerie ici. On voit que l'habillage des murs là s'est complètement effondré. Donc on a même la roche. Si vous savez ce que c'est, ça serait cool de me le dire dans les commentaires. J'apprécierais. Là, il y en a des milliers, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas si c'est pour comme on avait pour tenir les obus. D'une tourelle. Attention, je ne sais pas ce que je suis. Je vais emmener les pieds dans une ferraille. Oui, il y a encore de la boiserie là. Il y a de la boiserie au mur. Je ne sais pas si c'est d'époque ou si c'était rajouté. Ça va une vis. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Alors, toujours sur ce couloir, on va reprendre la galerie. Si vous pouvez mettre une traduction dans les commentaires, ça serait vraiment appréciable, ça serait vraiment cool de votre part. Qu'on puisse savoir ce que ça dit. Bon, je connais le mot patria, donc patrie. Le reste, j'arrive pas à comprendre. Eh bien, nous voilà à l'extérieur, au niveau des tours. Par le bas là, donc en dessous des tourelles où on était tout à l'heure, les escaliers sont carrément éclatés. Là on voit le mécanisme qui servait à monter les obus directement à la tour.
Enfin, au canon. Parce que vu le poids des obus, bon, on ne peut pas se permettre de monter à la main par les escaliers, quoi. Voilà, donc voilà, donc au sommet d'une étoile. C'est avec ça qu'il prenait les canons. Là, il ravitaillait en munitions. Le canon était ici, là. Bien sûr, c'était des démilitarisés après guerre. C'est pour ça qu'il n'y a plus les canons. Le rempart de protection pour ces tourelles. Donc ces tourelles n'étaient pas blindées puisqu'elles étaient censées être imprenables vu la hauteur à laquelle elles se trouvaient. Et il ne se serait jamais douté qu'un jour, avec un mortier Schneider de 280, on puisse faire sauter la fierté des nuages. De l'autre côté, c'est l'Italie. Il n'y avait pas de rempart. Mais en cas de besoin, les canons, puisqu'ils pouvaient piloter à 360 degrés, pouvaient se retourner pour défendre le côté italien, bien sûr. Et la plupart du temps, ils étaient pointés vers la France, en direction de Briançon. Alors, on a trouvé l'entrée de la grotte, enfin, l'espèce de tunnel qui passe sous l'ouvrage. Je vais essayer de s'y introduire. Ouais. Joli. Ah oui. Ah oui, magnifique. Et c'est parti, hein. Ça rejoint le bunker qui est tout devant. Ah, il y a eu des pas là, tu vois, c'est frais. C'est bon. Ouais, c'est bon, vas-y. Là. Là on a des barbelés. Destruction en façade. C'est bizarre, hein. Okay, la galerie elle est immense.
petit passage à gauche là. J'ai l'impression que c'est inachevé. On dirait que c'est inachevé. Alors là, ah bah regarde, c'est un poste de tir ou d'observation. Là-bas c'est Briançon. Ouais. Ça donne sur le chemin qui mène ici. Ouais, c'est un poste d'observation et de tir. C'est immense. Ouais. Je sais pas si c'est éboulé ou si c'est inachevé. C'est bizarre. C'est là de ah. C'est pas mal. Ouais, c'est immense. J'ai l'impression que ça traverse la montagne. Ah, c'est fini là, non ? Ouais. On arrive en fond. Il y a une pièce là-bas, t'as vu ? C'est de communiquer avec les, avec le bâtiment qui est de l'autre côté là. Là, on est passé en dessous l'ouvrage, en dessous des tourelles. On va se diriger vers la sortie.